Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un modèle unique au monde. C'est ce modèle. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et en fait, pourquoi il est unique? Parce qu'il n'a plus rien d'origine, tout simplement. Il s'agit en fait d'une ancienne mobilette d'usine, voilà, qui avait été récupérée, sauvée. Donc, c'est un motobécane type 51, on dirait S, vu la base, on va dire, les formes. Alors là, je vous n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, le kit déco, c'est aussi le kit déco d'un 51S, mais il n'est pas d'origine, d'accord? Sur la vraie couleur, on était plutôt sur un peu ce bleu là, je sais pas si on se rend un peu compte, vous voyez le bleu qui est là, un peu ce bleu clair. Donc peut-être vraiment à la base un 51S. Après, le 51S avait aussi des jantes à bâtons, là on est sur des jantes à rayons. Est-ce que c'est d'origine ou pas? Voilà, on sait pas trop. Le fait est que son histoire à elle, c'est d'avoir été dans une usine, d'avoir servi à des agents pour se déplacer, circuler dans l'usine, voilà, elle a réussi à être sauvée, elle a eu le droit à un petit coup de peinture, elle a eu le droit à un petit kit déco, et puis si finalement on recule, regardez qu'on prend quelques mètres, et ben elle est propre, elle est présentable. Donc voilà, rien correspond, hein. On a une béquille latérale et plus une centrale, on a une selle de Peugeot et non une selle de Tobec, le compteur avait été changé par un qui fonctionne mais le kilométrage n'est pas bon, mais donc voilà, c'est pas grave, il a ce petit détail qui tue. Pour ceux qui sont de ces années-là, vous avez connu, les amis, le petit Jaguar comme ça. Il y en a aussi des versions un petit peu plus grandes. Voilà, le plus petit, c'est le plus dur à trouver. C'est vraiment l'officiel pour les mobilettes. Mais voilà, donc je vous la présente quand même. Je pense qu'elle mérite le coup, hein. S'il y en a qui ont des idées sur le modèle, hein, je vous invite à y aller. N'hésitez pas, je vous fais un maximum d'images pour que vous vous rendez compte. Si on lit sur la plaque mine, on est bien marqué MBK, CM. Et je ne vois pas bien. On va tourner dans l'autre sens. On est bien sur une type 51, c'est tout ce qui est écrit. Donc voilà, eh ben allez-y, lâchez-vous, essayez de trouver le modèle. Et puis on réfléchira à la chose, sachant qu'elle va rester comme ça, hein. L'idée c'est pas de la remettre en mode origine. Elle roule très bien, on ira faire un test avec cette machine et vous allez voir qu'elle fonctionne du feu de Dieu. Donc voilà, elle a beau ne pas avoir la bonne couleur, elle marche très très bien. Donc voilà, c'est quand même une brêle de sauver. Allez, on va quand même rentrer dans quelques détails, vu que c'est une type 51. On est dessus, toujours sur un cadre en tôle embouti, soudé par le milieu, qui offre ici un réservoir de 3,5 litres. Les jantes, c'est du 17 pouces, donc à rayon. Et bien sûr, qui dit 51, à partir du moment où vous avez un 1, vous avez un AV10. Ça serait une type 50, vous avez un AV7. Une type 40, vous avez un AV7. Une type 41, vous avez un AV10. Voilà, je pense qu'on s'est compris. Donc voilà, c'est, on va dire, le meilleur moteur de chez Tobec, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un très bon moulin. Et pour rouler même ici à la montagne, c'est vraiment parfait. Et on s'aperçoit ici qu'on a déjà un carbu électronique. Un allumage électronique. Et derrière, on a un carbu qui, lui, est d'origine. Et c'est un carbu de 13. Et pour finir, elle fait un poids total d'environ 52 kg tout plein fait. Donc voilà, avec son moteur AV10, donc c'est fait pour rouler à 45 km/h si on est en mode bridé. Et vous verrez, celle-là, on va la tester, elle marche quand même beaucoup mieux. Allez, voilà les amis, toute petite présentation sur cette type 51. Mais voilà, elle a été sauvée d'une usine, on est obligé de la garder même si elle n'est pas full origine. Et on n'a pas assez de preuves non plus pour la remettre full stock. On ne sait pas si les usines achetaient vraiment un modèle sorti de magasin ou s'ils venaient y ajouter quelques détails. Elle était souvent maltraitée. Donc voilà, aujourd'hui, elle est là quand même et c'est l'essentiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que l'essai de cette 51. Et en attendant, ciao ciao.